Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, c'est le journal créatif de la semaine. Alors vous voyez, j'étais créative ce soir. C'est le mois de Noël, hein, on est en décembre, ça y est. Donc on met ses décos. Alors je ne dis pas, j'en ai un qui me regarde là. Il dit, qu'est-ce qu'elle a fait, maman? C'est quoi qu'elle a mis sur sa tête? Donc voilà, me voilà. Je me marre toute seule. Aujourd'hui, donc, c'est le journal créatif de la semaine. Vidéo que vous aimez bien, hein, que certaines d'entre vous même adorent. Voilà, donc j'en suis très heureuse. Je souhaite d'abord la bienvenue aux nouveaux et nouvelles qui doivent se dire, mais c'est quoi ça? Aujourd'hui, donc, journal créatif de la semaine, je vais d'abord expliquer en deux, trois mots. J'ai rien, c'est pas chat, il fait le foufou. Je vais d'abord, ben, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, et du coup, pour les nouveaux et nouvelles, ça... Bah, je vous présente déjà Fifi, voilà, la mascotte de la chaîne. Hein? Toi, tu t'en fous ce que maman l'a mis sur la tête. Ouais, tu t'en fous. Alors, moi, c'est Edith, Didith. J'ai 61 ans. Je suis du nord de la France, près de la frontière belge. Donc je suis une ch'timi pure souche, voilà. Alors je ne travaille plus depuis 2019 pour des raisons médicales. Je suis en invalidité depuis cette date-là. Mais bon, ça y est, Fifi a vu des ombres là-bas, donc. Donc oui, je ne travaille plus depuis 2019 et je serai en retraite dans un an. Voilà, pile poil, 1er décembre l'année prochaine. Donc un an, jour pour jour, je serai en retraite. Ça ne changera pas grand-chose pour moi. qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, moi j'ai mon dernier boulot, c'était j'étais auxiliaire de vie pendant 15-20 ans, oui, plus de 15 ans en tout cas. Sinon, avant j'ai travaillé énormément dans le commerce, voilà, beaucoup dans le commerce de bouche, donc c'est-à-dire boulangerie, charcuterie, fromagerie, voilà. J'ai travaillé depuis l'âge de 16 ans. Et sinon, j'ai fait de nombreux loisirs créatifs. Donc, j'en ai fait beaucoup avant. C'est-à-dire que j'ai fait du scrapbooking, j'ai fait de la fimo, j'ai fait des bijoux, j'ai fait du cartonnage, j'ai fait... puis après, tous les petits trucs genre mosaïque, serviettage, voilà, je suis passée partout. Et maintenant, je faisais aussi avant de la broderie, du tricot, du crochet, du canevas, voilà, de la couture. Et maintenant, je suis surtout sur la broderie, voilà. À 99%, c'est de la broderie en point compté. Voilà, il y a un tout petit peu d'estampé. Je me suis un peu lancée là, il y a... quand ça a commencé à être un peu à la mode, là, l'estamper, mais c'est pas trop ma tasse de thé. Donc je suis revenue très vite au point compté. Et je fais aussi bah, du tricot, du crochet, voilà. Du coloriage également, j'ai oublié de le dire, et du diamond painting. Bon, coloriage, diamond painting, c'est... par période, voilà, c'est quand ça me prend, tout simplement. qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore?
Ouais, non, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses, mais voilà. Sinon, je suis mariée avec Chouchou. Vous m'entendez souvent parler de Chouchou. J'ai 3 enfants, mais d'un premier mariage. Celui-là, j'en parle pas de mariage. je suis mamie. Alors, aux dernières nouvelles. Oui, c'est parce que bon, c'est un peu compliqué. Ma situation familiale est un peu compliquée. J'ai 3 enfants, mais j'en vois qu'un. Voilà. À la base, alors, aux dernières nouvelles, normalement, j'ai 17 petits-enfants. Voilà. Je ne pense pas être déjà arrière-grand-mère, malgré que j'ai 2 petites filles qui pourraient avoir l'âge d'avoir des enfants, mais normalement, je crois qu'elles sont sages pour l'instant. voilà. Sinon, ben voilà. Moi, ouais, je crois que j'ai tout dit. Chouchou, lui, est à la retraite depuis 3-4 ans, 3 ans, 4 ans, je sais plus. Voilà. Donc on vit dans le nord, mais on a eu une période où on a vécu dans le midi, sur la Côte d'Azur. Oui, oh. Je m'en fous. Ouais, on a vécu 7 années. Alors, on est du nord, hein, et du nord, on était parti vivre sur la Côte d'Azur. On a vécu à Cannes et à Grasse, puis après, on est remonté. Voilà, on est remonté. Bon, pour des raisons familiales, mais on est remonté. Et puis voilà, ça va très bien. Bon, moi, je crois que j'ai fait le tour, hein, pour ceux qui ne me connaissaient pas encore trop beaucoup. Sinon, ben, j'ai ma chaîne YouTube. Donc si vous vous embêtez, ces longues nuits, longues soirées d'hiver, il y a quand même beaucoup de vidéos sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir, même les anciennes, hein, je sais pas si encore beaucoup de monde qui regarde les anciennes vidéos, mais bon, vous pouvez aller les voir, hein, celles de scrap, de cartonnage, voilà, il y a beaucoup de diamond painting aussi que je faisais avant, donc n'hésitez pas à aller les voir, mais au passage, laissez un petit commentaire, comme ça je sais que mes anciennes vidéos sont vues encore, voilà. Donc ça fait 8 ans que j'ai la chaîne. Ouais, un peu plus de 8 ans maintenant. Journal créatif de la semaine, entre parenthèses, Floustube. Ouais, moi j'ai bon, je mets le mot Floustube dans le titre quand même, mais je le mets pas en premier. Parce que tout le monde marque Floustube. Voilà, bon. Et j'aime bien être un peu contraire des autres. mais bon, j'ai quand même rajouté, parce qu'on me l'avait demandé, et j'ai quand même rajouté le mot Floustube dans le titre des vidéos. Voilà, parce qu'il y en a quand même qui cherchent avec ce mot-là, avec Floustube, dans le moteur de recherche de YouTube. Et du coup, on ne voyait pas bon, trop mes vidéos non plus. Donc, j'ai quand même rajouté Floustube. Mais sinon, pour moi, c'est le journal créatif de la semaine. Et nous sommes au numéro 69. Voilà. Alors, le journal créatif, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une récap de tout ce que j'ai pu faire sur la semaine. Moi, je le fais chaque semaine. Je ne fais pas une vidéo mensuelle. Mais voilà, c'est une récap de la semaine, de tout ce que j'ai fait, que ce soit en broderie, en tricot, crochet. Et puis, bon, comme je vous ai dit, pour l'instant, je n'en fais pas, mais quand je fais du coloriage ou du diamond painting, je vous mets également dedans. Alors, je pense que, je ne sais pas, hein, je suis encore en réflexion. Je me vois en retour avec mon truc sur la tête, ça me fait marrer. Alors, je sais pas. J'ai envie de faire une récap mensuelle quand même, pour voir comment
tout ce que j'ai pu broder. Mais dans ce cas-là, je la ferai avec des photos, je pense. Vous savez, on va prendre l'exemple sur le janvier, 1er janvier. À partir du 1er janvier, bah, je vais prendre en photo tous mes débuts, comment, toutes mes broderies avant que je brode et une photo après que je brode. Voilà. Et comme ça, on verra le nombre de points également que j'ai fait sur le mois. Bon, vous savez que moi, j'aime bien compter les points. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien. Je suis la team, je compte mes croix. Comme ça, je vois ce que j'ai fait, je vois comment j'avance. Voilà, moi, ça me plaît faire comme ça. Et c'est pour ça que j'utilise à 90%, j'utilise les applications. Donc, j'utilise Pattern Keeper et j'utilise Cross Stitch Saga. Et là, j'ai installé, bah, c'est cette semaine, mais bon, là, comment? Que je l'ai mis où? Ah, il est là, je vais le mettre sur la page d'accueil parce que sinon je cherche. Aidez-moi, aidez-moi. J'ai pas encore la main dessus. Voilà, excusez-moi. J'ai donc installé Markup R XP. Avant, ce n'était. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps, mais je m'en suis aperçue cette semaine parce que je parlais avec des copines et une a demandé, elle me disait, bah, est-ce que Markup, ça marche sur Android? Et j'avais dit non, c'est Apple. Et en fin de compte, on m'a dit, si, si, maintenant, c'est sur Android aussi. Voilà. Donc, si vous ne le saviez pas, Markup RXP et sur Android également. Donc là, j'ai pas encore du tout la main dessus. Je le trouve un peu compliqué par rapport aux autres. Bon, c'est peut-être parce que j'ai pas encore bien regardé. Et puis, de toute façon, je vais regarder des tutos sur YouTube, voir comment ça fonctionne et tout. Et puis après, je verrai. Donc, du coup, j'ai trois applications, mais j'en utilise que deux pour l'instant. Et c'est pour ça que j'aime bien compter mes points, savoir ce que j'ai brodé, ce qui me reste à broder, le pourcentage. Voilà. Je pense que vous êtes quand même beaucoup maintenant à utiliser ces applications, mais c'est vraiment tip-top, hein, parce que bon, j'ai quand même des broderies sur papier. Mais je galère parce que bon, ma vue n'est pas au top. Ma vue, c'est je suis myope, astigmate, presbyte, puis encore un truc, je ne sais plus comment. Donc, vous voyez, j'ai la totale, plus le début de cataracte. C'est jamais facile à dire ce mot. Hein. Voilà, moi sur papier, j'ai du mal. Et surtout quand c'est des patrons en couleur, alors là c'est encore pire. Donc sur mes applications, au moins c'est le pied, j'agrandis, je baisse, je fais ce que je veux. Et en plus, depuis que maintenant j'ai installé aussi Cross Stitch Saga, oh, qu'est-ce que j'adore! J'adore. C'est le number one pour moi, celui-là, le Cross Stitch Saga et mon Pattern Keeper après. Mais bon, j'ai commencé avec Pattern Keeper, hein, donc voilà. Mais Cross Stitch Saga, oh, j'adore. Ce qui est dommage pour l'instant, peut-être que ça va se faire un petit peu à la fois, c'est que tous les créateurs n'ont pas leur patron non plus pour Saga. Bon, sur Etsy, il y en a beaucoup qui sont sur Saga. All Forest, il y a Saga aussi. Si vous n'arrivez pas à le télécharger, vous pouvez leur envoyer un email et avec la preuve d'achat, bien sûr, et ils vous renvoient le fichier Saga pour que. Voilà. Ah non, mais c'est top. Voilà. Donc, je disais tout ça pourquoi, je ne sais plus. Mais bon, c'est pas grave. Donc je ferai peut-être
une vidéo, vous dire les plus, les moins qu'il y a. Mais je vais d'abord regarder avec Markup si j'arrive à bien prendre la main dessus. Et comme ça, je pourrais vous faire une vidéo en vous parlant des trois. J'ai déjà soif. Voilà. Bon, je sais qu'il y en a certaines d'entre vous hein, qui sont de la team papier. Comme exemple, ben, Sabine hein, de la chaîne Sabrode, n'est-ce pas? Coucou Sabine! qui, elle, ne jure que par le papier. Mais je te jure que si tu essayais les applications, tu abandonnerais ton papier. Je dis ça, je dis rien. Alors, donc, je vous disais, donc, journal créatif, dans mes broderies, donc, il y a des broderies obligatoires, entre parenthèses. Hein. Il faudrait que je mette un autre mot que obligatoire, parce que bon, là, ça fait un peu. Mais bon, on cherchera un autre mot. C'est-à-dire que là-dedans, je mets mes duos, mes trios, les salles que je fais en groupe, voilà. Et ensuite, avec la roue sur ma tablette, je tire au sort d'autres broderies pour agrémenter ma semaine avec plein de broderies. Voilà. En moyenne, dans mes choix de broderies, il y en a entre 10 et 14 par semaine. Voilà. J'arrive à en faire. Bon, là, cette semaine, j'en ai fait une, deux, trois, quatre, cinq, neuf, dix, onze, douze. Cette semaine, j'en ai fait 12. Voilà. Des fois, j'en fais un peu plus, des fois, j'en fais un peu moins. Mais la moyenne, c'est toujours entre 10 et 14 broderies sur la semaine. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous rajouter? Voilà. Ensuite, il y a le HAED du mercredi. Ça, c'est une chose que j'ai mis en place il y a quelques semaines. Enfin, oui, ça fait déjà plusieurs semaines maintenant. Et vous avez commencé à être plusieurs à le faire également, tout au moins celles qui ont des HAED. Le mercredi est consacré qu'à la broderie HAED. Donc je choisis un de mes HAED et je brode sur celui-là toute la journée. Je ne brode aucune autre broderie. Et il y a également la broderie du lundi. Donc la broderie du lundi, c'est soit toute la journée, je vais broder une broderie qui est prête à être terminée, soit c'est une broderie que ça fait un bon moment qu'elle n'est pas sortie avec la roue, que moi j'ai pas brodé, et donc je veux lui redonner un petit coup de boost. Voilà. Et depuis peu, le dimanche maintenant, j'ai choisi de faire mes lily-points. Voilà. Donc le dimanche, c'est lily-points parce que bah, c'est pas prise de tête, les lily-points. Donc je peux les faire en montant ma vidéo. Voilà. Donc le dimanche, c'est lily-points. Le lundi, c'est la broderie du lundi. Voilà. Et le mercredi, le HAED du mercredi. Le reste de la semaine, bah, ce sera les broderies que j'ai choisies avec la roue ou dans mes obligatoires. Voilà, j'ai tout dit. je profite pour vous dire. Alors, attendez, je vais baisser un peu. Voilà. Pull tricoté par Bibi. Alors, le nom du pull, j'aurais pu vous le donner. Si je le retrouve, je vous le mettrai. J'arrive pas à me centrer. Voilà. C'est un bergère de France. Voilà, donc tout simple. Je vais peut-être, bon, pas tout de suite parce que vous savez que j'ai des pulls à finir, mais j'aimerais bien m'en tricoter un.
dans une autre couleur ou en faisant des motifs, parce que bah, celui-là, il est quand même, on peut quand même le, comment, l'améliorer avec un point fantaisie, pourquoi pas une petite torsade sur le devant, voilà. C'est un modèle tout simple, mais que l'on peut quand même changer un peu comme on en a envie. Donc c'est avec de la laine la parisienne, tout simple. Elle est toute chaude, elle ne gratte pas. Bon, ça, là, ça fait un moment hein, que je l'ai tricotée, hein, donc ça doit faire 2 ans, peut-être un peu plus. Donc de temps en temps, je lui passe un petit coup de rasoir. J'ai un rasoir à laine électrique, enfin à pile, mais... et voilà, je passe un petit coup dessus de temps en temps, et nickel, il bouge pas. Voilà, et puis il est bien chaud. Alors la couleur, c'était couleur amande, je crois, ou bah, bambou. Oh, je sais plus. Écoutez, je vais rechercher de façon le nom du pull et je vous mettrai la couleur. Si j'oublie pas, je vais même le marquer. Voilà, sur mon petit carnet, comme ça, pendant que je fais le montage, je sais que donc pull. Voilà. Comme ça, pendant le montage, j'essaierai de ne pas oublier de vous le noter. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, dans les obligatoires, bon, je dis bien obligatoire, on a le sampler 124, hein, voilà, que je fais en duo avec Sonia de la chaîne Diamant Rose. Je fais également, alors en obligatoire, j'ai également le Black Rose Dull Forest que je fais en duo avec Letty de Les Loisirs de Letty. Ça m'énerve, je ne suis pas centrée, on ne voit pas toutes mes cornes. Voilà. Donc ça, c'est un modèle All Forest. C'est un des tout derniers modèles de chez All Forest. Je fais également le Star Dragon, toujours avec Letty. Donc, et c'est toujours un modèle de All Forest. Ensuite, j'ai le sale anniversaire que l'on a commencé le 12 novembre. C'est un sale qui était consacré à mon anniversaire, voilà. Et j'avais choisi comme modèle le sampler 251. Donc, on va faire une étape par mois. Il y a 24 cases dedans. Faites le compte, ça va nous durer 2 ans. Voilà. J'ai le Lily Point Chat que je fais en duo avec Céline. Alors, on fait toutes les deux un Lily Point. C'est pas le même, mais c'est sur le thème du chat. Voilà. Je fais également en trio, là, cette fois-ci, avec Ludovic, un de mes abonnés, et avec Amélie de la chaîne Dazing et Diamant. Le HAED, alors moi je l'appelle le hibou du savoir. Est-ce que j'avais marqué son nom quelque part? Oui, non, non, attendez, je crois que je l'avais marqué quelque part. Ah ben non, je l'ai pas marqué. Bon, c'est pas grave. Et je fais, alors, c'est un obligatoire, mais pour moi toute seule. C'est mon Lily Point infirmière. Donc ça, je vous avais dit, hein, c'est le... Comment? C'est un Lily Point que je veux offrir pour Noël à mon infirmière. Donc elle l'aura quelques jours avant. Donc là, il me reste 15 jours pour le finir. Parce qu'après, je vais l'encadrer, tout ça. Donc on va dire qu'il me reste 15 jours pour le terminer. Et bon, ça devrait. Ensuite,
La roue m'a tiré des broderies, bien sûr. Alors, celui-là, il est dans ma roue, mais normalement, c'est un obligatoire sans être un obligatoire. C'est-à-dire qu'on le fait à notre rythme, on est plusieurs à le faire. Il y a qui fait? Il y a Geneviève de la chaîne Once Upon a Thread. Il y a Sonia de la chaîne Diamant Rose. Et si je ne me trompe pas, oui, il y a Amélie de la chaîne Dazing et Diamant. Donc, on y a quatre à le faire, mais on le fait à notre rythme. Voilà. Donc, c'est le Long Dog Sampler, le Two Man Morris. Donc, voilà, bah, vous le verrez peut-être tout à l'heure si vous êtes sage. Mais de toute façon, vous avez pu voir, je vous mets les images. Hein. Ensuite, le tigre de Lucas S. Je vais vous dire quelque chose après pour le tigre. Le hibou, voilà, le... Ouh, ça bouge. Le hibou, c'est une broderie, enfin un kit de broderie qu'une de mes abonnées m'avait offert, voilà. L'aquarium de Lucas S. L'orchidée de chez Lanart. Les Floralies de Jardin Privé et Mon cœur aquarelle, voilà, de Mia Stitch. Et pour le HED du mercredi, c'était le paysage, donc c'est le Hayden Arbor d'Andy Russell. Et ma broderie du lundi, j'ai changé en cours de route. Donc je vous le dis après. Je vais déjà faire une pause de 2 minutes, mais pour vous, ça va être un dixième de seconde, parce que j'en ai déjà un qui demande le pipi. Tu veux faire pipi? Oh oui, il veut faire pipi. On va faire pipi? Maman, elle enlève ses oreilles, parce que sinon... Allez, à tout de suite! Voilà, j'ai remis mes oreilles. Bon, ouais, je pense que là, je vous ai tout dit. Non, je ne vous ai pas dit. Alors, il y a toujours mon challenge. Ça, c'est un petit challenge que je me fais pour moi. Mais pareil, vous êtes commencé à être plusieurs à le faire. Ça me fait plaisir. C'est-à-dire que je me prévois de faire au minimum 3000 croix par semaine. Voilà. Donc, des fois, je peux en faire moins. Ça peut arriver, hein, des petites semaines. Ou j'en fais plus. Donc, on verra à la fin de la présentation de mes broderies si j'ai fait 3000 ou pas. Voilà. On va commencer. Bah, je vais commencer par celui-là parce que bah, je vous ai dit, moi, l'estampé, j'ai soif. L'estampé, c'est pas ma tasse de thé, celle-là encore moins. Maintenant, mais j'ai quand même 3 estampés que je souhaite finir. Il y a ma celtique, voilà, ma celtique de Noël. Bon, là, ce sera pas faite pour Noël, hein, on verra ça pas Noël l'année prochaine. Maintenant, j'ai mon cheval qui n'a plus grand-chose, lui. Il manque plus grand-chose pour le terminer. Et j'ai également donc celle-ci que j'ai brodée. Pacha, s'il te plaît, va dans ton panier. Allez. Oh, il va rester à côté de moi à cause de mes oreilles. Hein. J'ai celle-ci que en ce moment je fais de temps en temps. Ah, j'ai oublié de rentrer mon fil. Voilà. Vous voyez. Oui, là, il y a encore du taf. Hein. Il y a encore du taf. Attendez, je l'enroule comme ça, c'est plus facile pour vous montrer. Et de temps en temps, je la sors, je fais quelques points. Bon, celle-là, quand je la sors, c'est le soir. Voilà. Donc, alors, je vous montre derrière pour vous montrer ce qui a été brodé. Voilà. Et j'ai brodé ici. Voilà, là. Hop. Donc, cette semaine, j'ai commencé donc cette feuille-là. J'ai fait la nervure. Là, j'ai commencé le orange.
Il y avait du gris à mettre ici. Ici, je l'ai fait. Et il y avait un tout petit bout là aussi à faire. Voilà. Donc, j'arrive pas à mettre ma... Non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Je sais pas, j'ai pas bien réglé mon pied. Excusez-moi, hein. Les techniques de du direct. Donc, ouais, je sais plus ce que je disais, mais voilà. J'ai commencé aussi un petit peu la nervure qui est là, voilà. Non, mais celle-là, elle est super agréable à faire. Hein. Pour une estampée, elle est top. Parce que c'est du bloc. Il n'y a que du bloc. Donc, c'est vraiment pas prise de tête, celui-là. J'ai dû faire quoi? Alors, j'ai mis où? Non, ça c'est là. Où est-ce que j'ai mis mon estampé? Ah, elle est là. Ouais, j'ai fait plus ou moins 250 croix. Voilà. Mais bon, c'est toujours ça de fait. Il y a une nouvelle broderie qui est rentrée. Et ouais. Et oui, que voulez-vous? On va pas se... Hein? Mais c'est pas de ma faute. C'est de la faute à Sabine. Coucou Sabine. Sabine de la chaîne Sabrode. N'hésitez pas à aller la voir justement et puis à vous y abonner. C'est une ch'timi comme moi. Enfin, non, elle n'est pas ch'timi. C'est une bouille rouge. Nous, dans le Nord, on est des ch'timis. Dans le Pas-de-Calais, c'est des boyaux rouges. N'est-ce pas, hein, Sabine? ouais, cette broderie-là, ça fait longtemps que je l'ai. Ça fait un bon moment que je l'ai. Et j'ai vu que Sabine l'avait fait parce qu'il y a une de ses abonnées et amies. Laurence de la chaîne 1001 points. Voilà, coucou Laurence, si tu passes par là. Elle est abonnée aussi à ma chaîne, donc voilà. Elle lui a offert cette broderie et du coup, elles le font toutes les deux en duo. Et comme moi, je l'avais déjà, ben, je l'ai sortie et je me suis dit, allez, je vais la commencer. Alors je vais vous mettre l'image parce que là je n'ai pas l'image, c'est la grille et comme c'est une grille de créatrice, je ne vais pas la mettre à l'écran pour pas la faire spoiler. C'est une broderie. Et pourquoi j'ai pas la page d'accueil? Je l'avais la page d'accueil, enfin la page de garde. Bon, je sais pas. Elle a dû rester dans la caisse. C'est une broderie d'Isabelle Vautier. Voilà. Le titre c'est Je suis une brodeuse. Ça fait partie de la collection broderie brodon en noir ou je ne sais plus exactement le nom. Parce que du coup, ben, j'ai plus la page d'accueil. Bon, c'est pas grave. Brodon du noir ou c'est un truc comme ça. Mais vous l'aurez vu à l'écran de toute façon avec l'image. Et c'est tout à fait la broderie qu'il nous faut pour toutes. Voilà, c'est sur la grille, ça nous dit je suis la reine de l'aiguille, patiente, un brin doué, passionnée, posée, créative, bordélique, ordonnée, méthodique, concentrée, zen, pipelette, mais pas trop, mais je suis surtout une brodeuse qui déchire. Voilà, j'adore cette broderie. Alors, je vais être franche avec vous. Je n'aime pas toutes les broderies d'Isabelle Vautier. Il y en a que je n'aime pas. Ben, c'est comme dans n'importe quel créateur. Même les Lily Point, par exemple, il y en a que je vais aimer, il y en a que je vais pas aimer. Voilà, on ne peut pas tout aimer. Mais celle-là, je l'aime beaucoup.
Et ça faisait un petit moment que je voulais la broder. Et ben, du coup, allez, en avant Guingamp, c'est fait. Sauf que moi, je ne la brode pas en noir. Donc, les couleurs, ça, c'est noir, il y a un rouge et il y a 36-65, je crois, si je ne me trompe pas. Mais moi, j'ai complètement pris autre chose. Voilà. J'ai mis, vous avez vu, sur le petit trieur de Sabine. Voilà les couleurs que moi j'ai choisies. Donc il y a un jaune, il y a un marron, je vais vous donner les références, hein, et un beige. Donc le jaune, c'est le 725. Le marron, c'est le 838. Et le beige, ici, c'est le 30-33. Voilà. Donc moi, j'ai choisi ces trois couleurs-là. Et je le brode, bien sûr. Bon, bien sûr, je pourrais prendre une autre. Hein, sur une étamine 12.6 fils. Alors, le nom de la couleur exacte, je ne me rappelle plus. Je regarderai, je vous le mettrai si j'y pense. Voilà. C'est une toile orange. Elle est plutôt rouille, plus rouille que orange. Voilà. Donc j'ai commencé par le. Bon là, le mot n'est pas terminé, mais je vais mettre un tambour un petit peu plus grand. Il est trop petit celui-là. J'aime. C'est là. Vraiment, dans les ronds, c'est ma taille limite, limite. C'est trop petit pour moi. Donc j'ai mis le mot méthodique, voilà, qui commençait à broder, et j'ai commencé à broder les trois couleurs pour justement voir ce que ça donnait, et j'aime bien, voilà, le broder sur une toile comme ça, c'est assez original, je trouve, voilà, petit aimant également de poussière d'étoile. Mais voilà, j'aime beaucoup. Alors, Sabine, tu dis que je l'aurais terminé avant toi. Je ne sais pas. J'en sais rien. Bah, on verra, hein. Voilà, on verra. Alors, ici, j'ai fait. Alors, attendez. J'ai fait plus ou moins 250 croix, voilà. Et du coup, ça a été ma broderie du lundi. Alors, vous allez dire, ben, t'as pas brodé beaucoup pour broder une journée. Non, j'ai pas brodé beaucoup. Je sais plus ce que j'ai fait lundi. J'étais occupée, mais je sais plus quoi. Du coup, j'ai pas fait grand-chose, mais bon, c'est pas grave. Alors déjà, bon, il a fallu que je cherche ce que j'allais faire, enfin sur quelle toile, sur quel fil et tout. Et puis bon, donc ça m'a déjà pris du temps et voilà. Mais bon, c'est pas très Normalement, je devais faire l'orchidée de chez la Natte. Mais bon, en cours de route, j'ai changé d'avis. Donc voilà pour la première. Ici, bon, elles sont dans l'ordre, pas dans l'ordre que j'ai fait, mais dans l'ordre fin de semaine. C'est pas pareil, c'est pas grave, on s'en fiche. Celle-là, je l'ai faite aujourd'hui. Alors, attendez, je resserre. Voilà. Je vais vous montrer l'image. C'est donc l'aquarium de Lucas. Voilà, avec toutes ces jolies petites carpes. Alors, j'en suis là. Voilà où j'en suis. Ça avance doucement, hein, mais sûrement. Un point à la fois, hein, comme on dit. Donc, j'ai fait bah, toute cette partie-là. Là, le poisson était à moitié. Donc, j'ai fait tout ça et tout ça. Ça paraît pas comme ça, hein. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de proies. Mais je vous assure que ça prend du temps quand même.
Ça prend quand même du temps. J'ai fait 300 croix. Voilà, on dirait pas, mais il y a 300 croix de fait ici. Voilà. Toujours petit aimant de poussière d'étoile. Non, mais j'aime beaucoup. Il est super beau. J'ai vu sur un groupe, je sais plus quel groupe, il y a quelqu'un qui l'a terminé cette semaine. Il est magnifique quand il est fini. Vraiment, bon, je sais pas quand est-ce que moi je l'aurai terminé, hein, mais sans, je suis pas pressée. Hein, voilà. J'ai bien encore 40 ans pour moi broder. Hein. J'aurai 100 ans, bon, ben, voilà. Donc, l'aquarium, je vous l'ai montré, je coche. Voilà, ça c'est fait. J'ai très soif aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Si vous entendez du bruit, j'ai profité pour allumer mon lave-vaisselle. En heure creuse, ça coûte moins cher. Ici, alors. Vous avez vu, la semaine dernière, je l'avais bien sûr montré. Alors, la petite image. Ma broderie Lily Point de l'infirmière. Voilà. Donc, celle-là, je vous ai dit, c'est pour offrir à mon infirmière. Je vous avais dit la semaine dernière qu'il y avait une petite erreur parce que je suis en train de faire le calot. Et alors j'ai trouvé, il y avait, alors j'ai dû enlever jusqu'ici, donc j'ai enlevé tout ça, voilà. Mais je vous avais dit j'avais un problème parce que en plus de l'erreur qu'il y avait là, il y avait une demi-croix. Non, pas une demi-croix. Je brode sur deux fils et arrivé au bout, je me retrouvais avec un fil au lieu d'en avoir deux pour faire la dernière croix. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais bon. Je suis traviole. Eh bien, j'ai tout corrigé. Là, enfin, j'ai tout refait. Voilà. Donc, il me manquait des points. Là, j'avais pas mal fait mes points. Donc, j'ai tout enlevé au fur et à mesure. J'ai tout refait. Et eh bien, je me suis retrouvée encore avec mon demi-point. Je fais de la crotte, j'enlève plus. Donc, j'ai. Comme ça se voit pas. Même moi, il faut vraiment que je mette le nez dessus pour le voir. J'ai une croix qui, au lieu de faire deux fils, en fait trois. Vous le direz à personne. Comme ça, il n'y a personne qui le sait. On ne dit rien. Pourquoi? Pour qu'est-ce? J'en sais rien. Et puis après, j'ai dit, bon, vaille que vaille, ça se verra pas. Donc voilà. Donc j'ai refait tout ça. Alors là-haut, ici, ouais, celui-là, ici. J'avais fait 4 points au lieu de 5. Donc c'est pour ça que j'étais obligée de démonter jusque-là. Et ici, il y avait encore une petite erreur. Et puis là, alors là, c'était complètement foiré. Je ne sais pas ce que j'avais foutu. Mais bon, c'est pas grave. C'est corrigé. C'est le principal. Donc voilà. Je suis. Alors j'ai fait, on va dire, ouais, un quart du calot. Non, un tiers. Ouais, un tiers. Mais j'ai hâte qu'il soit fini le calot. Une fois que le calot est terminé, après ça va aller tout seul. Ça va aller tout seul. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit moment. Dans les Lily Point sont faciles. Mais il y a toujours un petit truc qui nous prend un peu plus la tête. Vous vous rappelez de mes carottes, hein? Il y a toujours une petite partie qui est un peu plus costaud.
Voilà, bon là c'est le calot. Bon, il vous paraît facile hein, comme ça, mais c'est quand même un gros bloc justement. C'est du blanc en plus. Là j'ai commencé la croix, voilà. Donc la croix, elle sera pas brodée. C'est le tour qui est brodé donc en rouge. Voilà. Donc bon, je suis contente quand même. Il y a que cette histoire là de demi un fil là sur deux qui est mais bon donc l'infirmière j'ai fait plus ou moins 3 sans croix, je dis plus ou moins puisque celle-là elle est faite sur papier, je ne l'ai pas sur en PDF, donc elle est faite sur papier. Étamine 12 points 6 fils couleur alors, je crois que c'est la café au lait, celle-là. Voilà. Vous voyez, je vous parlais des tambours ronds. Cette taille-là, j'aime bien. Voilà, cette taille-là, j'aime bien. Parce que quand moi, je travaille avec les pinces qu'on met sur la table, ça ne me bloque pas. Quand c'est trop petit, je suis étriquée. Voilà. Non, mais elle est chouette. J'aime beaucoup. J'espère qu'elle va plaire à mon infirmière. Hein. Si elle lui plaît pas, non, je sais, ça va lui plaire. En plus, elle adore la broderie. À chaque fois qu'elle vient, elle me fait ah, il y a une nouvelle broderie de fini. Ah, on est en train de faire celle-là. Elle aime bien regarder ce que je fais. Ensuite, pardon, il y a un petit bâillement. Alors, ensuite. Alors, elle n'était pas prévue, mais j'ai dit, bon, faut que je te ressorte, hein, parce que là, je suis en retard. Donc, je l'ai ressortie, mais j'ai presque rien fait. C'est bien la peine. C'est mon Alice au Pays des Merveilles. Donc, ça, c'est un sale que moi, j'organise sur mon groupe. C'est un modèle gratuit de chez All Forest. Voilà. Ben, j'ai pas fait grand-chose, hein. Regardez, j'ai fait ça, ça. Ça. Le petit dinosaure, là, il y a un petit dinosaure. Je sais pas pourquoi il y a un dinosaure, ou alors il y a un lézard sur Alice au Pays des Merveilles. Ça me dit rien, mais bon, il y a un dinosaure ou un lézard, je sais pas ce que c'est. Donc j'ai commencé le toit de la petite maison. Ça, c'est la fumée de la cheminée. Voilà, j'ai fait que ça. Bon, je l'avais pris en fin d'après-midi. Hein. Donc je commençais à être un peu fatiguée. Voilà. Alors par contre, j'ai eu un doute sur le coup. Ma toile n'est pas bien coupée. Mais non, je crois que ça va aller. J'avais peur d'être trop courte, vous savez. Mais non, je crois que c'est bon. Donc voilà. Ben, j'en suis là. je crois que j'ai. Alors là, j'ai 2 mois de retard dessus. Parce que là, j'avais fini. Ça, c'est. Oh, c'est moi qui l'organise, mais je ne le sais plus. Je crois que ça, c'était octobre. Corrigez-moi, les filles, qu'ils font. Ça, je crois que c'était octobre. Et ça devait être novembre. La petite maison. Je crois. Je sais plus. On travaille page par page. Hein. Donc, voilà. Je crois que c'est ça. Là, bon, il n'y a pas, y a pas grand-chose. De toute façon, là, je peux vous le montrer puisque c'est une grille gratuite. Hop, faut que je remette du fil sur mes bobinettes. Voyez, en plus, il n'y a pas grand-chose. Hein. Vous voyez la maison, voilà, la petite échelle, le petit bitonio, là, un petit bouquet de fleurs, et la frise qui est là. Donc, si je m'y mets bien, ça devrait aller assez vite. Faut juste que je me mette bien. Voilà. Et la prochaine que je vais faire, c'est ça. Voilà. Donc là, je devrais rattraper un peu mon retard.
Pourquoi ils ont mis un... Ah oui, il y a un pic là, d'accord. Je n'avais pas vu. Voyez, on voit le dessin ici en bas. Donc ça, c'est ce que j'ai fait en dernier. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Hein. Et après, je vais attaquer là. Voilà. Mais bon. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, moi j'ai toujours du retard quand on fait des duos, des salles ou quoi que ce soit, automatiquement j'ai du retard. Il faut le savoir. Automatiquement j'ai du retard pour... voilà. Il est où? Je t'ai mis où? Ah, je t'ai mis là, oui. Voilà. Donc j'ai fait plus ou moins 103 là. C'est pas beaucoup. Ici, c'est quoi? Ah oui. Oui. Alors, hop, c'est mon magnifique tigre de chez Lucas. Il est trop beau. Pas trop beau. Alors, je vous explique. Je vous avais déjà dit la semaine dernière que je galérais un peu parce que là, c'est pareil. C'était en mode papier. C'était en mode papier. Et puis, en mode papier, j'avance moins vite. Automatiquement, j'avance moins vite. J'avais dit, il faudrait que je le... Oh, mince, je suis désolée. Que je le passe en PDF. Parce que... pour le mettre sur mon pattern keeper. Parce que sinon, je pète un câble. J'ai réussi! Il est dans mon pattern keeper. Je vous montre. C'est quoi ça? Bah attends, je vais t'écouter. Alors, hop, il est dans mon pattern qui peut. Là. Voilà. Il est dedans. Bon, je ne vous montre pas plus près, mais hop, voilà. Donc, il est dans mon pattern qui peut. Ça m'a pris. Un bon trois quarts d'heure, pas loin d'une heure, pour le mettre dedans. Enfin, pour l'installer, ça va. Mais le problème, c'est qu'il fallait mettre les fils, les numérotations des fils à la main. Enfin, rentrer les fils un par un. L'UKS, c'est des références spéciales qui sont réservées à l'UKS. Donc, j'ai dû aller rechercher sur le site de l'UKS le tableau des conversions DMC. Alors, il y a un tableau l'UKS DMC en short. Voilà, du coup, vous avez les trois fils et vous avez les correspondances. Donc, j'ai dû d'abord reprendre toutes les correspondances. Alors, voilà. J'ai dû tout noter sur mon papier, toutes les correspondances DMC. Voilà. Et après, toutes les rentrées à la main, donc dans mon pattern keeper. Parce que sinon, alors il y a Ludovic qui l'a fait aussi dans le pattern keeper, mais lui, il avait pas mis les il n'a pas mis les références DMC. Il a tout mis en... Comment? Avec une seule référence, avec le noir, le 310. Et moi, ça, j'aurais pas aimé. Donc, j'ai pris le temps. Ça m'a pris du temps. Mais j'ai réussi à mettre mon... Donc, à mettre toutes mes références DMC.
une par une. Ah bah alors, à mettre toutes mes références DMC, et comme ça j'ai eu mon tigre avec ses vraies couleurs. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Alors en plus, comme j'avais déjà brodé, c'est pour ça que ça m'a pris près d'une heure, il a fallu que je repointe sur mon pattern keeper tout ce qui avait été brodé avant. Et oui, maintenant ça y est, tout est dedans, c'est clair, c'est net, c'est précis, je suis tranquille. Donc voilà où j'en suis. Donc là, moi j'ai brodé, j'ai brodé quoi? J'ai fait 4 cases là, 4, j'ai fait combien de cases? 4 cases et demie, alors donc 450 croix. Donc c'est ici, voilà, ici. Qu'est-ce que c'est bien avec Pattern Keeper, avec l'application. Oh, ah ouais, sur papier, je me prenais la tête. Mais là, ça va tout seul. J'aime bien. Toile de lin, pailletée, blanche, 16 fils. Un vrai bonheur. J'aime. Alors, je vous avais déjà dit, le lin, j'en avais brodé... dans ma folle jeunesse, entre deux, j'avais fait aussi de l'Aïda, voilà, et puis bon, j'étais partie sur l'étamine, et là, j'ai repris le lin en plus. Oh, quel bonheur, le lin. On dirait pas, hein, mais ça, c'est tip-top, c'est fin, j'aime beaucoup. Là, je vais regarder parce que j'ai besoin de... Je voudrais me préparer une broderie, pas pour tout de suite, mais comme il y a le Black Friday, là, et je vais... Bon, c'est encore 2-3 jours, je crois. Je vais regarder pour si je trouve des toiles de lin de couleur. Ah oui, mais c'est un bonheur, le lin. C'est comme l'étamine. Hein. C'est un bonheur. C'est tip-top. Voilà. Donc je suis à 350, à 450 croix environ. En tout, j'en ai déjà fait donc 1108. Puis c'est ça, hein, je peux compter mes points, je suis contente. En tout, il y a 60 000 croix à broder pour ce tigre. Mais en sachant que moi, le blanc, je ne vais pas le faire. Donc c'est pas du blanc, c'est du 36-65, je crois. Vous voyez tout ce qui est blanc là autour. Ça, je le fais pas. Donc, je vais. Il y aura des points en moins quand même, du coup. Et du coup, je suis à 1,85%. En sachant qu'il y aura des petites parties qui ne se feront pas. Mais voilà. Je suis contente. Alors, où en sommes-nous? Ici. Alors, je ne suis pas en retard. J'ai encore 12 jours pour finir mon étape. Donc, je ne suis pas en retard. C'est mon sale anniversaire. Voilà. Donc, c'est le sampler 251 que je brode sur une toile noire. Là, c'est une Aïda. Oui, hein, c'est de l'Aïda. Attendez, je ne sais plus. Oui, c'est de l'Aïda. C'est une Aïda 8 noire. Et donc, voilà où j'en suis. Il ne me reste plus grand-chose à faire. Voilà. Mais le noir, c'est très fatigant pour moi. Donc, là, je ne peux pas faire de grosses sessions sur le noir. Donc bon là je l'ai fait en plus, je le fais en plusieurs fois, c'est pas grave. Le principal c'est que ça se fasse et que je sois à peu près à jour dans mon étape. Voilà. Mais là moi c'est vrai que je ne peux pas faire de grosses sessions sur le noir. Je travaille avec ma tablette lumineuse sur la table pour que ça éclaire les trous.
Voilà, comme ça, par dessous, ça éclaire et ça m'aide pour le broder. Alors, je vais, pour parler franchement, je suis pas sûre que je referai encore des broderies sur du noir par la suite. C'est très joli, c'est beau, hein, mais c'est juste à cause de mes yeux que j'ai beaucoup plus de mal. Voilà. Mais bon, celle-là, elle est partie pour 2 ans, donc. Donc là, c'est la première étape de salle anniversaire. Voilà. C'est un modèle que vous trouvez sur Etsy. Alors, je vais essayer de mettre en dessous les liens à jour. Et alors, les liens que je vous ai mis en dessous de la vidéo Journal Créatif, je vais essayer de vous les mettre à jour parce que je crois qu'il y a des choses qui ne sont plus à jour. Celle-là, vous la trouvez sur 2x2 Stitch Art, je crois. Ça doit s'appeler comme ça, je crois, sur Etsy. Mais je vous mettrai le lien, si je ne l'ai pas déjà fait, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà. Donc là, on est plusieurs à le faire. Il y a des filles de mon groupe de broderie, mon groupe Facebook. Il y a le gang des Québécoises qui le font également. Voilà, donc ça, on est vraiment à plusieurs à le faire. Et je trouve vraiment très joli. Sur la toile noire, ça rentre super bien. Hein. Ouais. Sur la toile noire, ça rend vraiment très très bien. Voilà. Pacha, laisse Géry. Excusez-moi, un petit problème d'attendance. Pacha, ah bah oui, je reviens, le dodo est démonté. D'habitude, à cette heure-ci, ça dort, hein. C'est comme les gosses. Quand ils n'ont pas envie de dormir, bah, ça dort pas. Alors, je remets bien mes oreilles. Donc là, j'ai fait 325 croix, voilà. Je suis à 675 croix en tout, soit 2,09%. Voilà. C'est quoi toi? Ah oui, c'est ça. Alors, celui-là, je le fais en duo avec Letty. Vous aurez la photo en incrustation, la version à Letty. Parce que je ne l'ai pas encore, elle a pris un petit peu de retard, ça arrive. Donc, c'est le Black Rose de All Forest. Et voilà où j'en suis. Un bonheur à broder. Mais vraiment un bonheur à broder. Alors, je voulais arriver à 2000 croix. Il n'en manquait pas beaucoup, j'aurais pu faire un petit effort. Mais en totalité, hein, tout, je suis à 1961 croix. Donc, ce n'est pas beaucoup pour arriver à 2000. Donc, voilà. C'est parce que je voudrais rattraper. Je sais plus à combien. Ah, ben non, je ne sais pas combien aller exactement encore. Je le saurai demain. Mais je crois qu'elle a fait plus que moi. Elle a dû faire 2000, je crois. Et donc là, cette fois-ci, je ne sais pas combien il y en aura. Mais je voudrais me rapprocher quand même. Donc voilà, il est trop beau. Bon, il est toujours de traviole, hein, je ne sais pas pourquoi, mais bon. C'est pas la broderie, hein, c'est la toile. Je ne sais pas, j'arrive pas à la mettre droite cette fois-ci. Il n'y a pas moyen. C'est pas grave. Mais il est. Regardez-moi ça. Avec les fils Atali, la couleur Onyx. C'est la première fois que j'utilise des fils Atali, mais oh, j'adore, j'adore, j'adore. Quand je pourrai, je me reprendrai des fils, ça c'est sûr. Je sais qu'elle fait des collections éphémères. Je pense que la prochaine fois, je me prendrai une collection éphémère. Donc là, la prochaine, je ne sais pas ce que ce sera, mais bon, on verra bien, hein. Mais j'aime vraiment beaucoup ces fils, ils sont chouettes,
sont chouettes, ils vont bien broder et tout. Et là, je vous dis, je brode sur du lin. Hein. Donc, c'est toujours du lin 16 fils. Voilà. Et là, c'est le vintage Dune. Voilà, j'ai pour une fois, je me rappelle de la couleur. Mais alors, le nom, je ne m'en rappelle plus. Il ne faut pas pousser mes mères dans les orties. Hein. Je ne peux pas tout me souvenir quand même. Black Rose, lin Newcastle, The Gart, Vintage, Dune, 16 fils. Voilà. Mais pareil, c'est du lin, il est top. Non, vraiment, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Le résultat, il va être chouette. Non, le résultat va être chouette. Et là, vraiment, j'ai brodé. Ça se brodait tout seul. Donc, le fil, le voici. Voyez. Il y a des reflets un peu noirs, gris, du plus clair au plus foncé. Voilà. Non, il est chouette. À la base, c'est un modèle qui se faisait en noir. Oui. Tout noir, non. Tout noir, c'est pas bon. Hein? D'accord avec moi? Hop. Alors, celui-ci, je l'ai mis où? Là. Donc, j'ai fait 402 croix. En tout, il y a 1961 croix de faite. Et je suis à 5,38%. Voilà. C'est bien. Ça avance bien. Surtout qu'on l'a commencé 1er novembre. Je crois. Dans mon petit livre. Ah ouais, je suis arrivée pile dessus. Ouais, on l'a commencé le 1er novembre. Donc, non, c'est top. Ouais, c'est bien. J'ai fait ta petite fiche. Faut que je mette à jour. Il n'est pas encore tout à fait à jour, mon carnet. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Alors, ça, je vous l'ai mis. Ça, vous l'avez vu, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça vous venez de le voir. J'ai un petit point sur mon carnet, hein. Ça aussi. Alors, il me reste deux petits, enfin deux petites façons de parler, hein, broderie ici. Pareil, c'est le duo que je fais toujours avec Letty, avec un modèle All Forest, toujours. Toujours sur du lin. Et ici, c'est le Star Dragon. Il est beau, mon dragon. Il a une bonne boubouille. Il y a un bon bidou aussi, là. On commence à voir son petit bidou. Oh, il est chouette. J'essaie de vous montrer de plus près. J'espère que ça floute pas, non? Voilà. Non, il est chouette. Pareil. Oh, c'est un bonheur à broder. J'aurais pas cru. Mais c'est un bonheur à broder. Vraiment top. Et puis, je vous dis, sur la toile de lin, j'adore l'étamine. Hein, ça change pas. Mais la toile de lin, c'est le même bonheur que sur l'étamine, hein, je vous assure. Donc là, la toile de lin, c'est une French Lace Spermine 16 fils également. Alors celle-ci, par contre, elle est plus fine. Vous voyez, on voit ma main à travers. Elle est plus transparente comme toile de lin.
Mais elle est chouette. Toujours petit aimant de poussière d'étoiles, bien sûr. Alors, le Star Dragon. Ah oui, bah, je sais pourquoi le Black Rose, je suis pas arrivée à 2000 croix. C'est parce que ce jour-là, j'ai fait 3 broderies. Et sur la journée, j'avais brodé plus de 1000 croix. Donc j'étais au bout là. Je pouvais plus. Je pouvais plus. Donc mon Star Dragon, j'ai fait les 300 croix que l'on fait chaque semaine. Là, on s'est mis une base de 300 croix. Le Black Rose, par contre, on n'est pas vraiment. Pareil, hein, je le fais en duo avec les teams, mais j'ai des filles de mon groupe qui le font aussi en même temps que nous. Mais le minimum que je demande, c'est 250 croix par semaine. Voilà. Après, si on veut en faire plus, ben, on en fait plus. C'est pas un problème. Par contre, le Star Dragon. Non. J'ai le coup de barre, c'est pas possible. Le Star Dragon, on se fait 300 croix par semaine. Bon, pour l'instant, c'est 300 par semaine. On verra si on augmente après ou pas, mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Voilà. Ah oui, non, c'est bon. Hop. Bon, un coup, je l'ai mis là, un coup, je l'ai mis à terre. Alors, dans les petites, il m'en reste plus qu'une à vous montrer. Oh là là, c'est pas possible, hein. Oh, et quand c'est comme ça, les yeux, ils pleurent, tout. Dernière petite. Bon, Lily Point. On est sur la dernière ligne. Donc, le voici. Ça, c'est le mien. Céline fait un autre modèle. Je vous le mets. Voilà. Et on est toutes les deux sur la fin. Donc, j'avais dit que je voulais le finir pour. Alors, je vais vous mettre une photo. Parce que j'ai oublié. Je vais, ah, bah, attendez, je peux peut-être l'enlever. Attendez, je vais l'enlever. C'est pas grave. Accomplis ton levis. Voilà. Oh mince, j'ai fait des bêtises. Ah, une seconde. Bon, j'ai fait des bêtises. J'ai secoué ma broderie. J'ai fait tomber l'aimant, mais la deuxième aimant, je sais pas où il est tombé. J'espère qu'il est dans un endroit où ils peuvent pas le voir. Faudrait pas qu'il l'avale. Je vais donner un petit coup de balai après. Donc voilà où j'en suis. Donc le haut est terminé, voyez. Marron rond, les petites patounes. Voilà. Et maintenant, il me reste plus que le chat à finir. Voilà. Et elle sera terminée. Voilà. Vraiment tip top. Donc voilà, bah écoutez, ça se termine. Hein. Bon, bah du coup, je remettrai tout ça. Comme je la broderai demain, je vais remettre tout ça en place demain. Ah, ça m'embête là, l'aimant. Je sais pas où il est parti. Sinon, je passerai un coup d'aspirateur demain. Hein. Si c'est avalé, c'est avalé. Hein. C'est pas grave tant que c'est pas avalé. Ah, quand il y a une connerie à faire, hein, je suis là. Hein.
Gaston Lagaffe. Donc voilà, alors je vous mets également là où Céline en est arrivée. Voilà, elle pareil, hein, elle arrive au bout, elle a plus qu'à mettre le blanc dans le mot du bas, si je me trompe pas. Je sais pas si j'ai réussi à vous mettre l'image. Je vais... Alors, attendez. Là. Voilà. Donc, normalement, ouais, c'est là. Elle n'a plus qu'à mettre du blanc ici, autour du mot. Et il est fini aussi. Voilà. Non, mais c'est chouette. C'est chouette. Je fais une pause de... d'un dixième de seconde pour vous. Comme ça, je vais ranger toutes les petites broderies. Et on va continuer avec les grandes. Et je vais rejeter un œil quand même pour l'aimant. Parce que ça m'embête de ne pas le savoir où il est. A tout de suite. Me voilà revenue. Bon. J'ai pas trouvé mon aimant. Il y a du filet sous un meuble. Donc on regardera ça demain. J'ai oublié de vous montrer. Mais peut-être que du coup je vous aurais mis la photo. Le Star Dragon que Letty fait avec moi, j'ai oublié de vous montrer la partie où elle en est. Voilà. Désolée pour ce petit oubli. Voilà où elle en est. Donc, on n'a pas commencé toutes les deux au même endroit. Vous avez vu, moi, je suis au milieu. Elle, elle est en haut à gauche. Elle est emmenée à... elle a fait deux... Alors, on en est à combien? On en est à 2450 croix en tout. Voilà. Allez, on attaque les grandes. Mon HAED du mercredi. Donc, c'était... encore le paysage, mais je vous ai dit, hein, si cette fois-ci ça ressort, je changerai, je referai tourner la roue. Mais j'ai très bien avancé mes montagnes, regardez, elles sont trop belles. Voilà. Donc, j'ai bien avancé mes montagnes. Je suis contente. Elles commencent à bien se remplir. Non, elles sont vraiment chouettes. J'aime vraiment beaucoup cette broderie. Qui est très longue à faire. Hein, mais j'aime vraiment beaucoup le rendu. Vraiment. Elle est tip top. Alors, celle-ci. J'ai fait donc 762 croix dessus. En tout, j'ai il y a 11205 croix de fait là et je suis à 8,29%. J'ai hâte d'arriver déjà au 10%. C'est des petites étapes, hein, comme ça. L'autre jour, je disais, je voulais dépasser les 10 000 points. Ça s'est fait la semaine dernière et là maintenant, je vise les 10%. J'aimerais bien qu'ils arrivent. Donc voilà. Non, mais elle est vraiment top. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah. Alors. Par contre, elle est grosse à emballer. Hein. Voilà. Non, mais elle est vraiment chouette. Bon, j'aurais voulu en faire 1000 points, mais pareil, j'ai pas... Bah, au bout d'un moment, j'ai quand même les yeux qui se fatiguent. Donc, moi, je travaille avec
une loupe hein, sur pied. Et du coup, c'est quand même un peu plus fatigant que si on travaille sans lumière. Qu'on travaille comme ça, la lumière du jour. Mais bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ça, je vous l'ai montré. Voilà. Elle est où? Ah, elle est là. Et il me reste deux à vous montrer. Alors, attendez, il y en a une, je l'ai mis où? Ah, elle est là. Alors, c'est le c'est un duo que je fais avec Sonia de la chaîne Diamant Rose. Nous faisons toutes les deux un sampler, le sampler 124. On brode toutes les deux donc sur de l'étamine. De l'étamine 12.6 fils, pardon. Voilà. Moi, je la brode en trois couleurs. Une bleu marine, une turquoise et une jaune. Mais on brode toutes les deux en fil étoile. Là, la broderie. Ah, là. Oh, pour une fois, ça brille. Oh, que ça brille. Voilà, on le voit bien là. Vous voyez. Pour une fois. Donc, ce n'est que du fil étoile sur cette broderie. Voilà. Donc, moi, c'est une bleu canard. Voilà où, où j'en suis. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Et je vous montre également, donc, ah ben non, je vais vous le montrer sur la tablette. C'est vrai, c'est parce que je, ça me prend moins de temps de vous le montrer sur la tablette au niveau du montage. Il faut juste que, voilà. Hop, 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 la voici. La voilà. Et voilà la version de Sonia. Donc, qui, elle, le fait sur une étamine, pareil, 12.6 fils, mais de couleur rubis, avec un fil étoile couleur gris clair. Voilà. Alors, ça fait rigolo parce que... Alors, hop. Moi, c'est en bas que c'est pas fini, et elle, c'est en haut que c'est pas fini. Voilà. Alors là, on a fait. Alors, on devait faire. On fait 300 croix par semaine. Mais on était arrivé en total complet à 7. Non, attends, Fifi. À 7548. Je dis à ce... non, 46, pardon. Je suis à Sonia, on ne ferait pas un compte rond. Au moins, on s'y retrouve mieux. Donc, on a fait 4 croix en plus. Et on est en tout, on a fait 304 croix. Et en tout, on est à 7550 croix, soit 19,34%. Donc, la semaine prochaine, normalement, on devrait dépasser les 20% de fées. Il n'y en aura plus que 80. alors, je ne sais pas si... je pense pas. Je ne sais pas si cette case sera terminée la semaine prochaine. Il faudrait que je vois, que je compte ce qu'il nous reste à faire. parce que après, je devrais. Voilà, ici. Je devrais retirer au sort une nouvelle case. Oh non, non, il y en a une. Yep. Je sais pas. Non, il n'y a pas moins de 300 croix, ça c'est sûr. Donc, je pense quand même que du coup, la semaine prochaine, je devrais tirer au sort une nouvelle case suivant le nombre de croix qu'il restera à faire. Voilà. Mais bon, ça, vous le saurez la semaine prochaine.
Donc Sonia, normalement, la semaine prochaine, je pense que je devrais tirer au sort une case, mais on verra. Il y a les fils pour pas les prendre dans la fermeture éclair. Hop. Dernière broderie pour l'instant, non, pour aujourd'hui. Je l'adore de plus en plus. Mon petit hibou du savoir, le HAED que je fais en trio avec Ludovic et avec Amélie, la chaîne des Zing et Diamants. Regardez-moi cet œil, il est trop beau. Ah, c'est un bonheur à broder cette broderie. Bon, je ne vous montre pas le derrière. Hein. Alors là, le derrière, c'est je tire les fils, je poire. Mon Dieu, on s'en fout. Mais alors, on s'en fout à un point que, de toute façon, on ne voit pas le derrière. Et quand il sera fini, encadré, on le verra encore moins. Voilà. Donc, voilà où j'en suis. Donc là, on fait 300 croix par semaine également. On est à quoi? Ah, là. En tout, on a fait 1500 croix et on est à 2,40%. Voilà. Voilà. Je vous montre. Alors, je ne sais pas si j'ai reçu la photo de Amélie. Je ne sais pas. On va regarder. Je ne me rappelle plus. Pour l'instant, elle boit un coup. Alors. Bon, elle est où notre conversation? Ah, elle est là. Alors. Ah, bah si, Amélie, je le lis. Alors, attendez. Et Ludo, bah alors, Ludo. Ah, le voilà. Voilà où en est Ludo. Donc lui, il a commencé en bas à droite. Hein, donc il est vraiment dans la bordure. Voilà. Je ne suis pas pressée d'arriver dans cette partie-là. Tu as du courage, Ludo. Moi, je suis vraiment pas pressée de passer par là. Et Amélie, donc, elle est. On papote bien beaucoup aussi sur cette conversation. Voilà. Voilà où elle en est. Donc, elle a commencé son œil aussi. Alors elle, cette semaine, elle a fait le double, elle a fait 600 croix parce que la semaine dernière, elle n'avait pas pu le faire car elle était partie en balade dans un chalet avec les Québécoises. Du coup, elle n'avait pas pu le broder. Donc elle a rattrapé son retard et c'est vraiment top. Voilà. Donc c'est un bonheur à broder ce HAED, je ne regrette vraiment pas. Alors, c'était une édition limitée, hein, celui-là. Il n'est plus en vente hein, sur le site. Il était en vente que pendant un mois. Et voilà. Là, il y a Sabine de la chaîne Sabrode qui devrait prendre le train en route, comme on dit. Elle attendait impatiemment ses fils. Et là, ça y est, elle les a reçus. J'ai laissé les pinces. Hop, voilà. Donc,
voilà, voilà, voilà. Niveau broderie, ben, je vous ai tout montré. Je reprends ma tablette parce que je vais en avoir besoin. Niveau challenge, du coup, alors, j'ai fait, voilà. Ah oui, puis il faut que je calcule pour ce mois-ci. Alors, attendez, on va mettre la calculette et on fait le calcul du mois après. Alors, cette semaine, en tout, j'ai fait 4543 croix. Petite semaine moyenne, on va dire. Donc, on va calculer ce que j'ai fait ce mois-ci. Alors, hop. Donc, j'ai dit 4543. 4821. Non. Je fais déjà des bêtises. Plus. Si je ne mets pas le plus, ça ne marche pas. Plus. Voilà. Là, j'avais fait une belle semaine. 5973. Là, j'avais fait une petite. 3605. Il y a des semaines avec, il y a des semaines sans. Alors. Voilà. Alors, tic, tic, tic. Ah oui, petit mois par rapport au mois dernier. Que je me les note. Alors, ce mois-ci, je me suis fait 18 000. C'est ça, hein? Attendez, que je me trompe pas. Non, attendez. J'ai oublié les jours. Non? Ouais, voilà, j'avais oublié. Attendez, j'en avais oublié. Plus, voilà, je me disais, ça me paraissait petit. Voilà, j'ai fait 20 242 croix pour ce mois. Voilà, le mois dernier, j'en avais fait 19 498. Donc, j'ai fait 19 498. Ah, mais je vous dis, je fais que des conneries. 20 242 moins, voilà, il faut mettre ton moins, ton plus, ton 498. J'ai fait 744 croix en plus par rapport au mois dernier. Bon, ça va. En janvier, je vais me... Bon, là, c'est parce que l'année se termine, donc voilà. En janvier, ça va être carré. Les calculs. Donc, voilà. Non, c'est un bon mois. C'est un bon mois. 20 000 croix sur le mois, c'est très bien. Eh bien, on arrive au mois de décembre. Ça y est, dernier mois de l'année. Et en même temps, sur mon groupe, donc, il y a... il y a trois salles qui se terminent ce mois-ci. Le salle du calendrier de l'Avent, ça se termine là bientôt. Ils ont plus que... Moi, je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Je suis pas fan des calendriers de l'Avent parce que, bah voilà, moi, j'aime bien accrocher. puis, j'en ai un à finir. Donc, je vais finir celui que je dois finir. Et puis après, c'est tout. Donc, elles ont le calendrier de l'Avent à terminer. Il devrait se finir dans une semaine, 10 jours, je crois. Le salle du Nouvel An, voilà, il se termine le 31 décembre, donc celui de cette année. Et qu'est-ce qui se termine encore cette fois-ci? Ah, bah oui, le salle de peinture de brodeuse. Donc ça, c'était une de mes créations perso et elles l'ont brodé au courant de l'année également. Et donc ça se termine ici, ce mois-ci. Voilà. Je vous ferai une vidéo dans la semaine, je pense, ou la semaine prochaine, je verrai,
pour vous redonner toute l'actualité qui va y avoir l'année prochaine, enfin tout au moins les premiers mois, donc sur mon groupe. Il y a déjà les choses que vous connaissez, mais je vous redonnerai tout en vidéo. Voilà. La semaine prochaine, donc on commence un nouveau mois, on commence une nouvelle semaine, on boit un coup. Voilà. Les obligatoires, ce sont toujours les mêmes pour l'instant. Le sampler 124 que je fais avec Sonia, le Black Rose et le Star Dragon que je fais avec Letty. Le sampler 251, c'est-à-dire c'est le sale anniversaire. Mon Lily.chat, voilà, ça devrait être la dernière semaine que vous allez le voir, je pense. Et le HAED, l'hibou du savoir, qui je fais en trio avec Ludovic et Amélie. Donc ceux-là, ils sont déjà notés. C'est fait. Maintenant, on va tirer au sort. On va commencer par le HAED du mercredi. Donc vous savez que j'en ai trois. J'ai un faux HAED, la Steampunk, puisque là, c'est une couverture totale, mais c'est... Il ne vient pas du site HAED, c'est une grille que moi j'ai faite par rapport à une photo. Et sinon, j'ai le paysage et la japonaise. Alors, on va voir si c'est le paysage qui sort, on va retirer au sort. Hein. Non, ben ça va. Oh, il y a la musique aujourd'hui. J'ai oublié de baisser le son. C'est donc la japonaise. Voilà. Ensuite, on va tirer au sort les broderies pour la semaine. Donc là, je vous répète, je vous rappelle que je n'ai pas mis. Donc si la japonaise sort, on la retirera bien sûr. Mais je n'ai pas remis à jour ma roue. Je ne le fais qu'une fois, une semaine sur deux. Pour pas qu'il y ait toujours les mêmes broderies qui sortent. Voilà. C'est pour que ça puisse donner un peu de chance à tout le monde. En sachant que j'ai retiré. Alors, je ne sais plus lesquelles. J'ai retiré deux broderies. Bah mince. Allez, le patchwork sampler. Pour l'instant, je le laisse de côté. J'arrive pas à me mettre dessus, de toute façon. C'est une broderie qu'on faisait en groupe avec le gang des Québécoises. J'arrive pas à me mettre dessus. Je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Et j'en ai retiré une autre. Ah oui, mon châle du Nouvel An. La mienne, c'est un Riolis. Mais je la reprendrai dans le courant de l'année. Voilà, de toute façon, là, je suis complètement à la ramasse. Donc, c'est plus à un mois près ni à 6 mois près pour la faire. Donc, ces deux-là, je les ai retirés de la route pour l'instant. Allez, on va tirer au sort. On va en tirer. Le Bouddha. On va en tirer 6. Donc le Bouddha, c'est poussière d'étoile. Ah, autant de Quaker. Bon, je vais peut-être enlever la musique, ça va être embêtant. Je vais baisser un peu la musique. Voilà.
Oh, la maison météo, mon Dieu. À chaque fois, elle sort, mais je la fais pas. Alors, là, j'en suis à 3. L'aquarium, tiens, encore. Ah, ben j'avais. Ah non, j'enlève, c'est vrai. La semaine dernière, vous vous rappelez, je n'avais pas réussi à l'enlever. Donc, je l'enlève, j'en tire un autre. Bah, la japonaise, c'est fait. Reste plus beaucoup là. Eh ben, le nouveau Je suis brodeuse là de Isabelle Vautier. Voilà. Encore deux. Je m'en doutais. Je sais pas pourquoi, je me doutais que ça allait être les hérons. Voilà. Allez, une petite dernière pour la route. Ah, la steampunk. Chouette. Donc, la steampunk. Voilà. Donc là, maintenant, bah, il n'en restait plus que une. Deux. Ah bah le hibou du savoir, il faut que je le retire de la roue puisque c'est un obligatoire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, Alice, je devrais le mettre dans les obligatoires aussi, hein, mais bon. Allez, on va remettre ça à 0 pour la semaine prochaine. Voilà. C'est bon. Donc, maintenant, nous disons. Donc dimanche, ce sera les lilypoints, comme je vous ai dit. Donc, il y aura mon lilypoint chat, plus infirmière, bien sûr. Voilà. Lundi, alors qu'est-ce qu'on va faire lundi? Oh, je vais faire la maison météo. Parce qu'elle est hyper en retard, ma maison météo. Donc, lundi, ce sera la maison météo. Ouais, là, elle est vraiment, vraiment trop en retard. Donc, il faut que je la fasse. Voilà. Alors, je vous rappelle, je vous répète ce que je vous redis. Alors, je vais y arriver. Je vous redis ce que j'ai, ce qui a été choisi. Donc, dans les obligatoires, il y a le Sampler 124, le Black Rose, le Star Dragon, le Sampler 251, le Lilypoint Chat et le Hibou du Savoir. Mais normalement, je devrais rajouter aussi Alice au Pays des Merveilles. Mais bon, on verra s'il y a un petit trou. sinon, je le caserai à lundi pour rattraper mon retard, peut-être lundi prochain, et comme ça, je pourrai rattraper mon retard. La roue m'a choisi le Bouddha, qui lui aussi traîne depuis un peu trop longtemps, de poussière d'étoiles, mon Autumn Quaker, ma maison météo, la brodeuse de Isabelle Vautier, les ronds de chez Lanart et ma steampunk, le faux HAED. Le HAED du mercredi, ce sera ma japonaise, voilà. Et lundi, on fera donc la maison météo toute la journée. Et dimanche, ce sera les lilypoints, chat et infirmière. Voilà. Donc, ce sera déjà pas mal de faire tout ça. Et bien sûr, j'ai toujours mon challenge des 3000 croix, comme d'habitude. Alors, niveau actualité, qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors,
Là, il y a le nouveau sale qui vient de se mettre en route sur mon groupe de la ferme météo. Si vous voulez encore vous y inscrire et le faire, il n'y a pas de souci. C'est une broderie que j'ai dessinée moi-même, vous le savez. Et enfin, vous ne le savez peut-être pas, mais je vous le dis. donc, c'est une de mes créations que j'ai fait en soutien pour nos agriculteurs. Voilà. Et ça va durer toute l'année. Donc, normalement, ça commence le 1er janvier, mais là, les personnes pouvaient déjà commencer à broder la structure. Et ça se terminera donc le 31 décembre. Voilà. Donc, c'est une broderie météo. Donc, on va broder chaque jour après dans les arbres. Là, ça va être des arbres. Les températures journalières de chaque jour. Ensuite, je vais refaire un duo qui commencera en janvier. Alors, je ne sais pas si on va le commencer le 1er, le 2, le 10, le 15. Ça, je n'ai pas encore vu avec Letty. On va faire un lily-point. Et c'est. Alors, moi, je vais faire le lily-point que vous avez choisi. Vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo en vous présentant toutes mes broderies lily-point, mes gris, mes broderies. Et je vous avais demandé de choisir quel lily-point vous vouliez que je fasse. À la rentrée en janvier, et vous avez alors, je sais, est-ce que je l'ai là-dessus? Oui, je crois que je l'ai là-dessus, mais je crois que je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Oui, ici, ouais, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, mais c'est pas grave pour celles qui ne l'auraient pas vu. Vous avez choisi la brioche. Voilà, brioche parisienne avec 18 votes. En deuxième, il y avait les madeleines avec 14 votes. En troisième, il y avait les cookies avec 12 votes. Quatrième, il y avait la pâtisserie avec 11 votes. Et le gazpacho avait pris 2 votes. Donc là, en janvier, je commence avec Letty, la broderie de la brioche, mais on va pas. Moi, je vais faire la brioche et elle va faire les madeleines. Si vous voulez, on va faire un peu comme je faisais avec Céline. On a fait sur le thème du chat et on avait chacune notre broderie. Et ben là, on va le faire sur le thème de la viennoiserie. Et moi, je vais faire la brioche et elle va faire la madeleine. Et quand on les aura terminées, ben on fera le contraire. Voilà. Moi, je ferai la madeleine et elle fera la brioche. Voilà. Comme ça vous permet de voir les deux modèles avancer en même temps. Normalement, pareil, j'ai un autre duo qui commence toujours avec Céline. On va refaire un lily-point. Il faudra que Céline me le confirme, mais normalement, alors elle avait choisi le café. Normalement, on devrait faire celui-là. On devrait faire le lily-point café. Pareil, on devrait commencer en janvier, normalement. Pour l'instant, je sais que j'ai un autre duo qui doit commencer, mais c'est quoi? J'ai un trou. Il y a un trou. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Je vous en reparlerai la semaine prochaine. J'ai un trou. Je vais noter de toute façon. Là, il va falloir que je note tout ça sur mon agenda de 2025. Ouais, j'ai un trou là. Donc, ouais, déjà avec Letty. Elle n'est pas au courant. Elle n'est pas au courant. Mais elle va le savoir maintenant dans la vidéo. Je bois un coup, ça va me donner.
Sabine, je te lance un duo. Je te lance un petit duo. Alors, attendez, je prends la photo. Photo. T'es d'accord? Il est où? Il doit être là. Faut que je range mon drive aussi parce qu'il y a un bordel là-dedans. Oh, pardon. On va dire il y a un boxon. Je sais plus où j'ai mis ça. Alors, ça c'est quoi? Est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Je te lance donc Sabine, un duo. Je pense que ça va te faire plaisir parce que c'est avec une grille que je t'ai offert. Tu l'as montré dans la vidéo, donc ça, je peux le dire, ça ne me gêne pas. Et si on faisait ce petit duo, j'ai dit Céline, non, Sabine de la chaîne Sabrode. Et si on se faisait ce petit duo, qu'est-ce que tu en penses? Tu me dis? Tu me rediras quoi en privé? Donc voilà. Mais pareil, hein, janvier. Janvier, février, comme tu veux. Donc voilà, c'est déjà pas mal tout ça. Bon, comme j'ai mis deux broderies de côté, je peux bien en rajouter, hein. Façon, on est, comme on dit par chez moi, on est indécrottable. Je crois qu'à 90%, on est toutes comme ça, hein. Faut toujours qu'on s'en rajoute. Les hommes ne comprennent pas. Non, nos maris ne nous comprennent pas. Mais je suis tout cœur avec vous, les filles. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, alors. Je vais, avant de vous montrer. Alors, le tricot, il n'y a que un. Voilà, je vous explique après. J'ai pas beaucoup tricoté cette semaine, mais j'ai regardé un peu YouTube. Je vais vous dire ce que j'ai regardé. C'est où? C'est là. Alors, je redescends un dimanche. Voilà. Alors. Dimanche, j'ai pas regardé beaucoup hein, de chaînes, je trouve, cette semaine, mais bon, c'est pas grave. Dimanche, qu'est-ce que j'ai regardé? Oui, bah justement, j'ai regardé le journal créatif hebdomadaire de Pointe-Croix. C'est son numéro 1. Elle fait c'est Sabine, justement, de la chaîne Sabrode. Elle fait des vidéos régulièrement. Hein. C'est son premier journal créatif. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Elle nous montre ben, ce qu'elle fait, ce qu'elle va faire. Voilà. Puis, c'est une bonne pipelette comme moi. Hein, ben, on est des schnorres. Hein, bon, elle n'est pas de Calais. Hein, bon, pas de Calais. Tapez pas, les filles. Tapez pas. Non, comme elle l'a dit dans sa vidéo, on est pareil. Hein. Donc voilà, j'ai regardé également le Floustube numéro 7, roulette plus achat des loisirs de Letty. Pareil, bah, elle montre ses différents ouvrages, pareil les ouvrages qu'elle fait avec moi aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. J'ai regardé le vlog Loisirs créatifs 23 de Dan Nissin. J'aime toujours autant.
nous a montré ses broderies, ses épées, ses amigurumi, voilà, maquettes, voilà, tout ce qu'elle fait tout au long de la semaine. Et j'en profite pour te faire un gros bisou et te remercier du petit clin d'œil que tu as fait sur ta vidéo pour moi. Merci beaucoup. J'ai regardé le Floustube numéro 2 de Amel Douce-Croix. Alors, je ne sais. Excusez-moi. Je crois que c'est une chaîne que j'avais jamais vue. Mais enfin, j'ai un petit doute. Mais je ne crois pas avoir regardé cette chaîne avant. J'ai trouvé ça très intéressant. Voilà. Sur le titre, donc, c'est marqué Floustube 2. On passe en mode Noël. Voilà. J'ai regardé les passions créatives de Mamounette. Voilà, elle faisait la partie 2 du tag Apprendre à me connaître. Voilà, et d'ailleurs, je vous ai fait la même vidéo puisqu'elle m'avait retagué pour la partie 2. Donc, je vous l'ai faite également. Excusez-moi. J'ai regardé la vidéo de Diamant Folie qui nous a montré son escapade qu'elle a fait avec le gang des Québécoises dans un chalet. Donc le chalet des crafteuses. Elles ont passé le week-end toutes ensemble dans un chalet là-bas au Québec, bah, à broder, à bien manger, à se balader. Voilà, donc elle nous a fait un petit résumé en vidéo, c'était vachement bien. J'ai regardé le Floustube novembre 2024 de Kiki, la petite brodeuse. Bon, qui a aussi un bon rythme de broderie. Oui. Et qui, comme nous, n'en a jamais assez. Voilà. J'ai regardé. Alors, il n'y a pas de. Je ne sais plus à quel rythme elles font les vidéos, mais c'est des fois un mois, 2 mois, ça dépend. C'est la mère et la fille. Mais là, c'est du tricot. C'est les joueuses de fil. J'adore les regarder. Et j'ai un trou. J'ai oublié le prénom de la fille, donc de sa fille. J'ai une mauvaise mémoire, hein, des prénoms, moi. Mais. Mon Dieu! Moi, à côté, je suis à la ramasse, là, en tricot, à côté d'elle. Je ne sais plus quel âge elle a, elle a 14 ans, je crois. J'espère que je la vieillis pas trop ou que je la rajeunis pas trop. Mais alors, à son âge, ce qu'elle fait. Mon Dieu! Ah non, c'est. Un big bravo. J'adore, mais alors que ce soit en chaussettes, elle fait des chaussettes, des châles, des pulls, tout en circulaire, en jacquard, en mon Dieu, ah non, moi je suis totalement à la ramasse à côté d'elle. Hein. Mais alors, complet. Hein. C'est un immense bravo à elle. Bon, sa maman tricote pareil, hein, mais sa fille, du coup, pour son âge. Ah oui. Du coup, elle nous a parlé aussi. Ils ont été à un salon, je sais plus, à Lyon, je crois. Enfin, celles qui ont l'habitude pour le tricot, elles doivent savoir de quel salon j'essaye de vous parler. Et. Je comprends. Elle nous explique la réaction qu'elle a eue là-bas, mais je comprends. Moi, je la comprends très bien. Parce que, bon, déjà, elle est très jeune, mais même sans être très jeune, quand on arrive dans un salon où il y a du monde, on est quand même. Moi, je sais, j'ai du mal, moi, déjà, à mon âge, j'ai du mal. Là où il y a de la foule, où il y a des. Je me sens claustrophobe.
Et je sais que je crois que c'est son tout premier salon où elle a été. Et ça a été un petit peu panique à bord, mais je pense. Mais bon, t'inquiète pas. Alors, je sais pas si elles vont venir regarder ma vidéo. On verra bien. Mais si jamais tu passes par là, t'inquiète pas. Après, ça va venir. Ça va aller. Mais j'adore vraiment leur podcast. Là, le podcast s'appelle Podcast numéro 16, entre jacquard et rayure. Mais si vous ne les connaissez pas, allez voir, je vous jure, j'allais dire la petite, elle va m'en vouloir si je vous dis ça. Mais bon, par rapport à nous, elle fait vraiment un tricot. Ou comme ça. Ensuite, j'ai regardé la vidéo de Jam Rose qui nous a fait également un petit reportage sur leur week-end au chalet entre brodeuses au Québec. Voilà. J'ai regardé une deuxième vidéo de Sabine, donc la chaîne Sabrode. 5 jours de petite croix avec moi, genre mini Flosstube de novembre. pareil, ben là, elle nous a montré, continue à nous montrer ce qu'elle avait fait, tout ça, ce qu'elle avait brodé, ce qu'elle va, les projets qu'elle va avoir, bon, tout. Donc, n'hésitez pas. J'adore ces vidéos. Bon, au fait, un petit message, Sabine, tu as dit que tu ne savais pas encore comment on faisait les miniatures. Demain, je ne sais pas si j'aurai le temps, dimanche, mais dans la semaine, je t'explique ça en message privé pour te faire des petites miniatures pour tes vidéos. Hop, petit message privé. donc, voilà. Dernière vidéo que j'ai regardée et qui était très importante pour moi. et je vous invite d'ailleurs à aller la voir. Sabine, donc de la boutique Poussière d'Étoiles, a sorti une vidéo pour présenter ses nouvelles gouttes, vous savez, les petites gouttes d'eau pour mettre les fils. Voilà, la fifi. Et donc, c'était les nouveautés qu'il va y avoir dans la boutique. Comme d'hab. Bon, t'as fini, toi? Donc, n'hésitez pas à aller voir. Bon, la vidéo ne dure pas longtemps, mais ça va pouvoir vous donner une idée des nouvelles petites gouttes d'eau pour mettre vos fils qui sont dans la boutique. Et au passage, abonnez-vous à la chaîne de Sabine. Voilà, donc Poussière d'Étoiles. N'hésitez pas à vous y abonner et comme ça, bah, elle va faire des vidéos régulièrement. Bon, pas au même rythme que nous, hein, bien sûr, mais elle fera des vidéos régulièrement. Il y avait longtemps, hein, régulièrement, pour montrer les petites nouveautés de la boutique. Tu peux te... Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire? Oh, on a dépassé les 2 heures. Je vais aussi regarder. Alors, il y a des vidéos que je n'ai pas regardées. Bah, il était trop tard. Il y aura le nouveau Floustube numéro 2 de Les Passions créatives de Mamounette. Donc, je vais regarder ça. Tic 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 tic, qu'est-ce que j'ai pas vu? Alors, elles sont toutes, enfin, tous et toutes, enfin, pas. Il y a le petit atelier de Kimiline qui fait la vidéo, et il y a aussi les Croix Mousquetaires qui nous font une vidéo parce que, bon, avec Rose Cocon, Juliane de Rose Cocon. Elle organise un sal et le sal c'est sur le Black Rose. Bon, moi je l'ai commencé avant, mais bon, je l'ai mis en route avant sur mon groupe, mais bon, ça c'est pas très grave, hein. Mais du coup, là, ils annoncent aussi
Le sale, qui, là, chez Roscoucou, se fera en 2025. Donc, il y a une vidéo des Trois Mousquetaires et de Kimiline. Voilà, le petit atelier de Kimiline. Bon, et puis ensuite, il y aura des autres vidéos que je vais regarder. Hein, y a... Qui j'ai pas vu? L'Onyx et ses loisirs. Elle a fait un vlog, donc je vais très certainement regarder. Le fil de Saria. Elle a fait son Floustube, donc ça, je vais le regarder. Non, ça c'est anglais. Bon, des fois je regarde en anglais, hein, mais pas toujours. Ouais, bon, y a plusieurs, y a encore pas mal de Floustube de sortie. Hein, de... Voilà, oui, bah, encore une qui parle. Ah, bah c'est Rose Cocon qui parle du sale Black Rose. Voilà, c'est Et il y a les. Là, c'est quoi un Floussmas? Ah, ça, je crois que c'est les vidéos qu'elles vont faire tous les jours en décembre. Là, c'est une chaîne anglaise, donc je regarderai peut-être, mais comme ça. Voilà. Moi, cette semaine, sur ma chaîne, vous avez eu plusieurs vidéos, comme d'habitude. Donc, je vous les rappelle, si jamais vous ne les avez pas vues. Allez, voilà. Donc dimanche, bien sûr, vous avez eu le journal créatif. Lundi, vous avez eu plusieurs unboxings. Celui de New Craft Day, celui de DP Club et celui de On Day Saving. Ensuite, vous avez eu Chouchou qui faisait son DIY sur la crèche. Vous avez eu une broderie en musique de moi pendant que je brodais justement mon Black Rose. Le tag, apprendre à se connaître, la partie 2, quand j'étais taguée par Armelle. Et dernière vidéo, malheureusement aujourd'hui vous n'en avez pas eu, j'ai pas eu le temps. Dernière vidéo donc qui était hier, enfin vendredi, c'est un top ou flop dessous de verre à broder. Alors, si vous avez l'intention d'acheter les dessous de verre à broder, allez voir ma vidéo avant. Je n'en dis pas plus. ce dimanche, vous commencez à voir l'ouverture du calendrier de l'Avent de Poussière d'Étoiles. Voilà, donc vous allez avoir une vidéo tous les jours, très courte. Où je vous présente ce qu'il y a dans les enveloppes du calendrier de l'Avent de la boutique Poussière d'Étoiles. Et vous aurez un autre calendrier de l'Avent qui, lui, par contre, je vais l'ouvrir tous les 3 jours parce que c'est vraiment tout petit. Ça vaut pas le coup que je vous fais une vidéo par jour là. Mélanie m'a offert un calendrier de l'Avent qu'elle a fait elle-même avec des aimants. Et donc je vais vous ouvrir 3 pochettes dans chaque vidéo. Donc ça correspondra à 3 jours de calendrier de l'Avent. Voilà. Mélanie, j'espère que tu m'en veux pas que je fasse une vidéo tous les 3 jours, mais j'ai trouvé que c'était plus pratique de faire comme ça. Que de faire des vidéos d'une minute. Voilà, ça c'est moins un peu moins logique. Voilà, bah écoutez, maintenant je vais vous montrer mon pull. Alors je pensais le finir. J'ai pas réussi. Parce que j'ai pas fait de bêtises. Je vous avais dit. J'arrive à ma dernière augmentation, mes 18 rangs, donc, et il devrait me rester dans les 4-5 rangs, dans les 4-5 rangs pour terminer les manches. Ben non, il ne me reste pas 4-5 rangs pour terminer les manches. Tu dis des bêtises, Didite.
Donc voilà où j'en suis. Et j'ai commencé mes diminutions. Voilà. Alors, voilà, j'ai commencé mes diminutions. Bien sûr, de chaque côté, hein, à chaque manche. Là, il me reste à faire. Donc, c'est extrait de Slivelin. Il me reste à faire. Donc, là, c'est fait. Alors, il me reste. Ouais. Il me reste 5 fois de maille. Donc, 5 rangs. 10 fois une maille. Donc, 10 rangs. Ça en fait déjà 15. 5 fois de maille. Donc, rajoute encore 5 lignes, ça fait 20, et 2 fois 3 mailles, donc 20, 22. Il me reste encore 22 rangs à faire. Je sais pas où j'ai vu qu'il me restait 4 rangs. Je pensais peut-être vouloir finir plus vite. Bon, il me reste donc 22 rangs à faire. Sur mes manches. Et après, là, ce sera fini. Voilà. Donc là, j'ai déjà fait 2 diminutions. Donc, je ne vous les ai pas comptées, hein, dans les 22 rangs. Donc, il me reste 22 rangs à faire. Voilà. Ça devrait... Je vais... Si je mets un bon coup de collier cette semaine, on va essayer de le finir. Il faudrait que je me mette dessus... soir, enfin je me mets dessus le soir de toute façon sur le tricot, mais il faudrait que je le fasse tous les jours pour être sûr de le finir cette semaine, parce que là c'est bon, hein, ça a duré assez longtemps. Donc voilà, je vais essayer de le terminer cette semaine. Alors du coup, Monique, si tu passes par là, bon, je sais que tu passeras par là, m'engueule pas, me dispute pas, me punis pas. J'ai pas eu le temps de sortir la couverture cette semaine. Pas eu le temps. Mais promis, la semaine prochaine, je la sors. ouais, parce que je vous ai dit, hein, il me reste un mois et quelques jours à faire sur ma couverture 2023. Et ensuite, il faudra que je termine ma couverture 2024. En sachant que je vais commencer une couverture 2025. Après, j'arrête les couvertures. Voilà. Mais là, celle-là, 2025, je vais faire des carrés de granit. Donc, voilà. Et puis, elle ne devrait pas être très, très grande. Donc, voilà où j'en suis. Comme ça, je vais terminer celui-là. Après, je vais terminer. Je vais continuer le bleu. Donc, le bleu, c'est un bergère de France. Celui-là, c'est un fil d'art. Mais donc, là, je vais commander. Je ne les ai pas encore commandés. Mais de toute façon, ils n'ont pas mis en promo mes fils pour mon pull bleu. Je vais commander mes 2 pelotes pour être sûre que j'ai assez de laine. Puisque vous me l'avez conseillé aussi, hein, quand je vous ai dit que mon pull était trop court. J'avais terminé le dos et en fin de compte, ouais, il est trop court. Donc, je vais redémonter ce que j'ai fait ici en haut, hein, au niveau des diminutions du col. Je vais repartir au rang juste avant de commencer les diminutions et je vais remonter de... Alors, on m'a dit de faire entre 10 et 15 cm. Je vais voir. Ouais, 10, 15, de toute façon, à 5 cm près, c'est pas énorme. Donc, voilà. Je vais remonter donc de 10 ou 15 cm. Et j'ai pas de problème au niveau des emmanchures en reprenant le pull, puisque là, je le reprends par le haut, hein, puisque c'est en aiguille droite. J'aurais pas de problème au niveau de la reprise, puisque les emmanchures,
c'est, tout est droit. Le pull est complètement droit du haut en bas. Il n'y a pas de diminution, il n'y a pas d'augmentation au niveau des emmanchures. Donc, je peux y aller, je peux augmenter mon pull comme je veux. J'aurai aucun souci. Donc, voilà, j'ai décidé. Donc, là, je termine d'abord celui-là. Une fois qu'il est terminé, cousu, tout, je reprends le bleu. Je vais démonter les... Je ne sais pas, moi, il doit y avoir 5-6 rangs, pas plus. Je ne sais plus. Je vais démonter ces 5-6 rangs. Je vais retricoter 10-15 cm. Voilà. Et comme ça, je serai sûre qu'il sera à une longueur confortable pour moi. Voilà. Mais pourquoi ils font des pulls? À chaque fois, je le dis, hein, mais pourquoi ils font des pulls courts? Faites des pulls courts pour les jeunes, pour les femmes minces, les femmes qui n'ont pas de ventre, qui n'ont pas des lolos comme moi, ou voilà. Mais faites des pulls de taille normale pour les rondes comme nous, pour les quand on a du ventre, on a de la poitrine, on a voilà. Donc faites des pulls normaux, continuez à en faire et faites des pulls courts pour les autres personnes. Mais il faut penser à nous aussi. On pense pas beaucoup aux rondes. De toute façon, même quand on va au magasin s'acheter un vêtement, c'est une galère pour trouver des vêtements quand on est ronde. Donc voilà. Donc cette semaine, objectif, terminer les manches et monter le pull. Voilà. Et comme ça, la semaine d'après, l'objectif, ce sera de refaire, enfin, de refaire le dos, non, de rallonger le dos du pull bleu et après d'attaquer le devant. Et il y aura aussi le pull, c'est un fil d'art également, je crois, fait avec le fil... mince, je sais plus. Vous savez, ça fait comme un ruban. Bon, c'est fil eucalyptus, voilà, le fil d'art. Mais celui-là, bon, c'est moins urgent puisque c'est des petites manches et puis c'est un pull léger. Donc voilà, on va finir celui-là. On va faire le bleu. Après, on finira celui pour le printemps, du coup. Et ensuite, j'aurai le pull cache-cœur. Que je vais ressortir, que je vais finir. Je suis toujours avec mon pull camionneur, je ne sais toujours pas ce que je vais faire. Je suis toujours coincée dessus. Je ne l'ai pas ressorti de toute façon, hein, mais dans ma tête, je suis coincée. Donc voilà. Donc celui-là, on verra. Et voilà. Et je. Par contre, dans l'entretemps, je ne sais pas si ça se dit, je vais commencer un châle qui m'a été offert. Enfin, le châle ne m'a pas été offert, mais... Enfin, si, le patron m'a été offert par Sabine de la chaîne Sabrode. Et elle va m'offrir également la laine pour le faire. Voilà, donc ça, elle va me l'envoyer dans la semaine. Et là, c'est un châle à faire en aiguille circulaire. Donc, j'ai dit OK. J'espère que je vais m'en sortir. Mais bon, je pense qu'un châle en circulaire, ça doit être facile. Il faut que je sorte mes aiguilles. Et j'ai même dit à Sabine que je ferai une petite vidéo pour vous présenter mon matériel pour le tricot circulaire. Matériel qui est tout neuf. Puisque je ne m'en suis jamais servi et que ça fait déjà un moment que je l'ai. Donc voilà. Donc je vais commencer un châle en aiguille circulaire. Bon, ça va le faire. Mais elle m'a montré la laine qu'elle va m'envoyer. J'ai hâte. Voilà. Bon, aujourd'hui, la vidéo est... Alors, j'espère, comme d'hab, que j'aurai réussi à vous mettre des images.
Si vous ne les avez pas vus, ne m'envoyez pas. Je suis toujours sur mon même logiciel, mais un jour il va, un jour il va pas, plusieurs fois il va. Donc, mais bon, je vais vous faire des gros bisous. Voilà, 2h20 de vidéo. Je vous ai été gâtés aujourd'hui, hein. Waouh, j'ai fait la pipelette. Et en attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.